Ils ont tout rasé, là. Ils ont tout enlevé. Bah oui, puisque on paye des gens pour entretenir les bas-côtés des chemins de fer. L'homme civilisé veut voir des surfaces propres, du macadam bien net, pour rouler avec sa petite voiture sans secousse. Alors, on enlève les mauvaises herbes. Et puis, qu'est-ce qu'elles font les mauvaises herbes ? Elles repoussent. Libre, Rage, L'Opéra, Roger, Pesto, Bambi. Crevette, survette, derme, affileur, corsa, escroc, roulio, chose, zéro, aber, péco, gerveur, idiot. Sureau, eupatoire chanvrine, bergerette du Canada, géranium, budléa, ortie dioïque, budléa, géranium. Choc. CNN. C-H-O-C. C-W-N. Donc ça, c'est un tagueur très actif. Depuis des années. Depuis plus de 20 ans. C-H-O-C. Flèche. C-N-N. En one move. Donc en un seul trait. Deux petits points pour dire que c'est la suite et qu'il y a à suivre. L'histoire continue. Voilà la rosette basale de la bergerette du Canada, qui s'insinue dans tous les pavés, partout, il n'y a que ça. Donc là, on voit un tag jammer. J A M E R. Et lui, il s'est fait barrer au marqueur. Ça, c'est aussi un étranger qui n'habite pas en Belgique, qui a beaucoup tagué, qui a un style vraiment unique et qui est dans pas mal de pays différents. Et donc, à mon avis, c'est un jaloux qui a barré. C'est quelqu'un qui est jaloux de son activité, de son style, de sa présence. Et le gars n'a même pas osé mettre son nom parce que peut-être qu'il a peur ou peut-être qu'il se sent trop petit par rapport à lui. Donc, un mur
un peu abandonnés, les tags, et bien sûr, Buddleia Davidii, l'arbre à papillons qui pousse entre les murailles. Le ciment est une bonne nourriture pour les plantes, il y a du calcaire. Et alors, hop, c'est fini, c'est parti. Et il est là pour longtemps. Ça, c'est un DRS. D, R, S. C'est le nom d'un groupe. Mais d'habitude, c'est Drison. Un gars qui tag Drison, qui fait ses tags. Et ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment très originaux. Ils ont un mouvement, il part par là, il descend, il part par là. Donc, c'est un tag qui va un peu dans tous les sens. Là, on voit une technique particulière, c'est parce qu'ils ont pris une bombe qu'on peut remplir soi-même, avec une pression, comme une pompe à vélo. Et dedans, ils ont mis de l'encre de Chine, je pense. En tout cas, c'est ça la brillance, et c'est ça. Donc, c'est un tag à la bombe, mais en même temps, ça coule comme un marqueur. Donc, il n'y en a pas souvent à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la technique, mais je trouve vraiment ça super beau, quoi. Donc ici, de nouveau, Haber avec les bombes qu'on peut remplir soi-même. Ce qui est marrant, c'est qu'il est passé derrière un tag naïf, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le mouvement graffiti. Du moins, j'ai jamais vu ce nom et ses formes. Mais c'est beau comment ça joue sur un fond, tu vois. Donc c'est... Il y a une superposition qui est intéressante, quoi. Le tag est plus lumineux grâce au jaune de derrière. Ici, il y a un crevette. K-R-E-V-E-T. Donc lui, je pense pas qu'il soit belge. J'en ai vu pas mal dans d'autres pays. Donc il est très très actif. Ce qui est marrant dans son nom, c'est que crevette, ça veut dire le gars souvent qui est, c'est une mauviette ou c'est un mou. Et lui, il impose bien ses lettres. Elles respirent bien, elles sont calibrées, elles ont une force. On dirait que c'est quelqu'un qui est assez costaud qui le fait. Alors que son nom, il veut dire le contraire. Il y a beaucoup d'humour, je trouve, dans son nom. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de jeux de mots. Ouais, ils ont de l'humour, les taggeurs. Bon, là, on a du pissenlit. Hein. Et l'autre, chénopode. Voilà, celui-là. Plante rudérale par excellence. Rudérale, c'est-à-dire ? Rudérale, ça veut dire qu'il pousse dans des endroits que l'homme a colonisés. Je m'ennuie dans une ville sans tag, quoi. Ça me permet de pas m'ennuyer, de voir des nouvelles choses, d'être étonné, de deviner un peu qui sont ces gens qui sortent de chez eux, aller peindre des choses improbables, tu vois. Et deviner un peu de leur caractère et de leur personnalité en fonction de leurs traces dans la ville. C'est ça. Alors que la ville essayait de t'écraser avec des gros buildings, avec des grosses publicités, avec des gros klaxons, eux, ils essayent de trouver des autres manières de vivre dans la ville, quoi. De résister, en fait. Écrire pour résister, de nouveau, c'est quelque chose d'important. Mais peut-être qu'ils pensent pas du tout à tout ça et que c'est juste instinctif. Il y en a qui sont instinctifs, qui pourraient même pas te parler de leur démarche et de savoir pourquoi ils font ça. Il y en a d'autres qui savent très bien pourquoi ils sont là et ce qu'ils font, quoi. We'll be right back.
pourquoi tu as choisi ce nom, Osmose? Je voulais quelque chose qui commence avec O, en fait. Mais c'est assez pratique, en fait, de commencer avec un O, parce que c'est un mouvement ample, on commence avec un cercle, et ça... Après, tout coule de source, j'ai l'impression. Et puis, je voulais un nom assez long, en fait, avec plus de 4 lettres, en tout cas, parce que je trouve... Plus j'ai de lettres, plus le mot est beau, c'est assez souvent, je trouve. Et donc, j'ai juste ouvert le dictionnaire, en fait, à la lettre O. Et puis, mot par mot, j'ai regardé les mots qui étaient jolis à l'œil, en fait. Et Osmose est vraiment beau. Ce que je vois dans mon tag, c'est que c'est un peu une... C'est un peu comme une... c'est un soldat, quoi. C'est un soldat de Perse avec des armes, il y a une espèce de sabre à la fin. C'est, ouais, c'est un petit... c'est une petite arme de guerre, comme ça. C'est... Enfin, je le fais pour que ça soit très pointu, très... très tranchant. En fait, moi, quand je me promène dans la ville et que je vois des tags que j'aime bien, comme le tien, ça me fait chaque fois un petit clin d'œil. Ah, il est passé par là. Je suis pas toute seule dans la ville, même si je connais pas la personne qui est derrière le tag. Et ici, j'ai ressenti ça. Je suis passée devant l'horloge du Sud et j'ai vu ton nom là, en plein soleil, au milieu de d'autres gens qui avaient écrit des phrases... plus militante ou plus poétique. Comment choisis-tu les endroits où tu places un tag? Bah, disons que la première chose à laquelle je réfléchis, c'est la visibilité, c'est l'endroit qui sera visible de jour ou de nuit, qui fera partie de l'environnement des gens. Donc visibilité, c'est le premier critère. Après, on va dire que c'est le deuxième critère, ce serait peut-être de prévoir les façages, donc je vais pas m'amuser à taguer quelque chose qui sera effacé le lendemain. Et puis troisième critère, c'est de pas taguer la maison des gens, par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Très bien. Que me diras-tu de celui-ci? Ah, mais ça, c'est différent. C'est chez des avocats. Donc déjà, ils vivent pas là, c'est juste leur bureau. Et puis... Ouais. J'ai des principes qui... qui des fois sont mis à la trappe, quoi. Mmh. Des fois, c'est trop tentant, l'endroit est trop beau et... Ici, on n'est pas chez des gens. Ah, mais ça, c'est différent encore, ça, c'est leur volet. Donc, disons que... Bah, s'ils veulent pas que le taxe soit là, ils ont qu'à relever leur volet, hein. Le fait que ce soit tout sale, tout pourri, là, ça t'a incité à taguer plus ou... Bah oui, c'est une bonne question, ça. C'est une question très esthétique, mais un tag sur une vieille surface qui a vécu, je trouve ça plus joli que sur un store tout neuf des années 2000, quoi. Ça, c'est clair. Thank you.
voilà, moi je m'appelle Biz, ça fait presque... Ça fait 20 ans que je fais du graffiti. Et voilà. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce contexte hip-hop de l'époque. Au début 90, fin 80, c'était quand même... C'était encore le graffiti avec un esprit Warriors, quoi. C'était vraiment les bandes, le truc. Il fallait pas... Les quartiers, il fallait voir. Tu pouvais pas taguer dans n'importe quel quartier. Tu pouvais être un bouffon jusqu'à la fin de tes jours parce que tu avais raté un tag. Il y avait une sélection qui était super dure, super cruelle, quoi. J'étais ultra motivé, je voulais être partout. Là, je choisissais bien mes endroits. Voilà, c'est un peu... C'est la compétition, quoi. Il fallait bien choisir ses endroits. Il fallait être... Et voilà, j'ai aussi une bonne concurrence. À l'époque, c'était ça aussi qui... Ce qui motive vraiment, c'est quand il y a quelqu'un de l'autre côté qui renvoie la balle, quoi. Il y avait une chouette concurrence. Il y avait des bons gars de l'autre côté. Donc, ça te poussait à te dépasser, quoi. Le truc a changé avant, c'était vraiment socialement, c'est issu d'un milieu social un peu bas, on n'était pas des écoles d'art, c'est plutôt les écoles techniques et tout ça, c'était vraiment... Les gars qui faisaient du graffiti n'avaient aucune... n'avaient pas du tout de désir artistique ou de truc, quoi. C'était vraiment... c'était juste saccagé ou occuper ses nuits, quoi. Personne n'était issu d'une école artistique, quoi. Ce qui est un peu le cas maintenant. Tu n'as jamais eu d'amende ? J'ai payé plusieurs fois des amendes. Enfin, ma maman a payé des amendes quand j'étais plus jeune, la pauvre. Ouais. Ce qui est un peu presque normal. Ça, c'est presque normal de se faire avoir et payer des amendes. C'est dur de taguer sans se faire avoir, quoi. C'est assez rare. Et justement, par rapport à ta maman qui savait que tu taguais avant, est-ce que maintenant, elle l'accepte ? Non. C'est du vandalisme, quoi. Je veux dire, je suis pas spécialement cool quand je fais ça, donc j'imagine mal une mère dire vas-y continue à détruire les murs de la ville, quoi. Après c'est une agression qui est signée, donc il y a tout un truc, il y a peut-être un côté Robin des Bois, quoi, mais ça reste une agression quand même. Il y a un truc, moi, que je trouve un peu fou, hein, c'est de devoir rester, parce qu'on est dans l'illégalité, une personne cachée, tout en pratiquant depuis 20 ans. Est-ce que c'est pas schizophrène ? On a l'habitude d'être schizophrène, hein, c'est un peu le... Voilà, on a déjà deux... Les noms... Enfin, les gens m'appellent déjà de deux noms différents, donc il y a déjà deux personnages. Donc voilà, c'est comme ça, quand on crée, on a un autre personnage, quoi. Il y a celui de la journée, ou puis il y a celui du soir, peut-être. Capo, are you the beast? Mama! No! Je vois rien, les gars. C'est la bière belge, hein. Pas de mieux que la bière belge. Pose mes traces sur les murs, les palaces. Pas de la lasse repasse, la concurrence s'efface. Sur les faces, ah, tout par cap. Si pour pas gaffe, tu tapes ton tac. Bah, la peinture crache, où les murs se cachent. L'adrénaline t'anime, plus que de s'éclaper. À qui tu traques, se cache, cache. Après mon passage, je sache le, je fais un clin d'œil. Pour tous les tigers, et tout était bien, c'est le fait les flags qui me posent en flag. Et c'est le marron, ça claque, après mon après-mon squat. Push et wap, et sors ma boîte, roule des battes sur des instruments fat. Génération sensation, sur ton pic que claque, sur ton clic que taque. Maintenant ton film, bim, au crime armac. Et botanique, je craque, tiki di braque. Au top que t'as que les tracks comme 4 et tag. Bah, ouais, c'est les flags dans la place. Moi c'est Rias, Bruxelles, partout, nulle part, étudiant. Je pose mes gars, 4 écrous, je suis bruxellois pure souche et je fais du graffiti dans la ville. Moi c'est Rizla, rien à voir avec la Smala, c'est Bruxelles Tag Party, BTP, j'ai 18 ans, on m'en fout de la merde. Je viens de Bruxelles, j'ai 22 ans, je travaille dans les jardins.
Voilà, on est comme une famille. On pose tous depuis à peu près la même époque, 2005, 2006. Ouais. Voilà. On se rend bien compte qu'on ne fait que tenir un flambeau et qu'en soi, tout notre respect il va aux crews qui ont lancé cette histoire-là, qui ont lancé la flamme du hip-hop et du Goethe à Bruxelles. C'est, voilà, comme on disait, CNN, RAB, ROC, anciens, NSE, tout ce qui se passe par là, par le début des années 90. Mais après, nous, on fait que tenir un flambeau et on essaye de faire vivre cette... Il y a des gens qui veulent continuer quelque chose de bien qui a un rapport avec le hip-hop, et puis il y a ceux qui sont là pour délirer, mais tout le monde a sa place, pour moi, dans le tag, en tout cas. Écoute, Girafe. Les gars, c'est fou. Ils sont en train d'assassiner une pastèque. On est là. Ils assassinent une pastèque après toi. On est né pour la peinture, Born to Paint, BTP, non, voilà. Born to Paint, ta gueule. BTP, on est là. Moi, c'est des gens en qui j'ai confiance et je sais qu'ils seront là pour moi et moi, je suis là pour eux. Et quand je tag, je suis fier de penser à ces gens et de me dire que voilà, je tag et que ces gens vont être là. Et donc voilà, et on fait des BTP, on en fait partout et ça nous fait plaisir. Et... On n'est pas des délinquants, on fait juste des délits. La peinture, c'est pas un crime. On atteint la vie de personne, on n'est pas violent. Et quand on dit qu'on est des délinquants, c'est à moitié juste, c'est une conception qu'on fait passer aux gens. Mais l'autorité met beaucoup trop de sanctions. Et l'autorité, c'est une répression qui est exagérée, c'est des sanctions qui sont disproportionnées. Des dégradations qui peuvent vraiment être minuscules et qui sont sanctionnées comme si c'était un acte contre la société en tant que tel. On est manipulé par les médias, on est manipulé par la bourse, on est manipulé par les grosses chaînes de consommation. On va dire qu'on a en tous un chemin à suivre si on veut vivre dans la moyenne des gens. Et justement, je trouve que le graffiti, le tag, qui est l'expression la plus pure, la plus personnelle, la plus directe dans une ville pour être vu par le plus de personnes, est le moyen d'un peu de contourner ce chemin qui nous est imposé par toutes ces sociétés de consommation. Parce que le tag, ça devient vraiment une optique personnelle, c'est-à-dire on doit se procurer nous-mêmes le moyen de pouvoir taguer. Et ensuite, on doit, à nos risques, taguer un maximum dans la rue pour être remarqué, pour peut-être, OK, être considéré comme salissure, mais salissure, en fin de compte, elle représente un état de révolte, un état de changement, une envie d'aller plus loin dans l'expression d'une vie. Et voilà, ça nous permet de sentir qu'on existe toute cette adrénaline, voilà, les gens qu'on rencontre, on sent qu'on existe, on sent qu'on se développe dans un monde un peu parallèle à celui que la société de consommation nous impose. Et voilà, c'est mon optique envers tout ça. Moi, je tag parce que j'aime quand ça coule, j'aime taguer, j'en ai rien à foutre du reste. Et je vous le dis sérieusement et sans complexe, et voilà quoi. Moi, j'aime quand ça tag, que les autres aiment pas ce que je fais, j'en ai rien à branler, je tag et puis c'est tout. Et que voilà. Et que sans déconner, des BTP, vous allez en voir, ça va chier, sans déconner. Vous allez voir. Ouais, faut en faire plus, mec. Il y en a pas assez, mec. On se sent vivre avec ça.
Non, non. Faites quoi? Un film. Ah ouais. T'inquiète. Faire quoi? T'inquiète. Un court-métrage, t'inquiète pas. Et vous allez le passer où? Il va passer pas la TV, t'inquiète pas. Arte. Même pas Arte, je crois. Bon courage. C'est un frangeur. Donc moi c'est Fetou, du coup OCB, je kiffe le tag, j'aime aussi le sport, les sorties, les meufs traîner en rue, voilà. J'aime vraiment bien la nuit depuis toujours, je me sens mieux la nuit que la journée. Ouais, et voilà, la nuit c'est un peu tout est permis. C'est nous versus la police comme ça. Pas beaucoup de gens à part des voyous et des flics dehors hein, la nuit. Le peuple dort la nuit, le reste sort. Les marginaux, les voyous, les flics. Le fait de taguer me permet de me sentir quelqu'un d'autre que le reste du troupeau. Quand j'étais petit, je voyais des tags, je voulais trop savoir. Ça m'intriguait quoi. C'est qui ce gars, pourquoi, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fait, il est comment, quel genre de type c'est. C'était un inconnu qui se réveille la nuit quand moi je dors, pour marquer son blaze. C'est quoi ta motivation quand tu tagues? Le petit côté aussi voyou, donc j'ai toujours été un peu... voilà. Et puis, un peu la célébrité, hein, faut avouer. Quand on a un bon tagueur dans Bruxelles, dans le milieu, on est connu, les gens nous aiment bien. Les gens sont limite impressionnés, les petits jeunes et tout. Et puis être connu, franchement, être connu. La notoriété d'un côté, peut-être. Après ça, il faut bosser, quoi. Écrire un message anti-constitutionnel ou ce genre de truc, mais de toute façon, personne n'écoute vraiment, ils lisent et puis ça sort directement. Ils le savent bien, de toute façon. Les gens sont bien conscients qu'on se fait enculer, mais ils n'ont pas que ça à foutre. Il faut ramener de l'argent, il faut bosser, il faut élever des enfants. C'est comme ça, on est obligés. Donc des messages comme ça, ça sert à rien. Et je tape mon blase parce que voilà, c'est mon côté narcissique, j'ai envie de me voir partout. Ne prends pas pour de la merde, en fait. Faut dire ce qu'il y a. Je suis pas un mauvais garçon, mais j'ai mes mauvais côtés que j'essaye de canaliser au mieux. Mais rien à faire, j'ai eu la vie que j'ai eue quand même. Elle est pas dure. Il y a personne qui a eu la vie dure à Bruxelles, je pense, comparé à certains pays. Mais voilà quoi, elle est mouvementée. Il y a beaucoup de violence quand même. Enfin, pas beaucoup. La violence presque au quotidien. C'est pas non plus. La violence pure, mais je sais pas, moi c'est le souvenir que j'en ai parfois de mon adolescence. C'est quand même assez hard. J'étais pas super bien non plus. Mais le tag m'a fait du bien. M'a un peu changé. M'a éloigné de certaines mauvaises choses.
Ah, ça c'est beau ça. Ouais, ça c'est les petits miracles que peuvent produire les façages. Hein. Quand ça laisse un fantôme et que. En fait, le tag est toujours là, quoi. C'est là qu'on voit les limites de les façages. Moi je trouve ça super beau, quoi. Presque aussi bien que quand il était là en vrai. Définir un peu qu'est-ce qui te motive à taguer. C'est une question très difficile. Il y a plein de. Il y a des motivations moyennement avouables, hein, je veux dire. Enfin, pour moi, la première, c'est quand même de voir mon nom partout. Et puis il y a aussi le côté. De faire quelque chose de beau. Enfin, j'ai pas peur de le dire, j'essaie de faire quelque chose de beau et que. Et qui s'incruste bien dans le paysage urbain, quoi, qui... C'est un besoin de reconnaissance, je pense, aussi. C'est comme si quelqu'un levait les bras au milieu de la foule pour dire « je suis là, m'oubliez pas ». Même si la société, le jour, ne me reconnaît pas, mais il y a une société occulte, entre guillemets, qui me reconnaît. Je vaux quelque chose, quoi. J'ai une certaine valeur, quoi. C'est un peu ce côté super-héros, comme ça, tu vois. Capable de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire, quoi. J'étais totalement satisfait de la personne que je suis. Peut-être qu'il n'y aurait pas de besoin de prouver quelque chose. Comme le fait de taguer est une manière de prouver quelque chose à soi-même et aux autres, quoi. Certains tags que je fais, je prends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à les faire et ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. C'est incroyable. Quand j'ai le bon marqueur sur la bonne surface, c'est un pur kiff, je me soulage vraiment. Ça calme trop. Il y a un feeling avec la surface et
une vibration, on sent sur quoi on tague, avec quel outil on tague, c'est différent. Il y a vraiment un feeling à ressentir avec la surface même, qu'il n'y a pas avec la bombe. Très sensible à l'art, à l'expression, ce que l'être humain peut faire avec ses mains pour essayer de faire ressentir une émotion, un sentiment, une rage, une haine, une joie, ce que tu veux. Très sensible à ça. À l'art, quoi. Comme tous les taggeurs, hein, je crois. Comme beaucoup de gens en général. J'espère. Combien de temps tu as mis pour l'élaborer, Stag ? Ça, combien de temps ? C'est dur à dire, hein. ça a pris des années, quoi. À chaque fois avec des petites trouvailles, où je me suis inspiré d'anciens tags bruxellois ou de choses plus nouvelles, mais tout le temps vraiment avec une petite recherche sur certains tags, et puis après j'ai pris des formes d'un tag, je les ai mis dans l'autre, et puis ça a fini. Mais ça prend du temps, quoi. Ça fait quand même un petit moment, on a qu'on fait ça. Là tu continues à chercher, à chercher ton style. Toujours. Puis on réfléchit à un petit parcours, un petit itinéraire dans Bruxelles. On a la carte de Bruxelles avec les lignes de tram, les lignes de bus, etc. Et on se dit, bon, allez, tiens, aujourd'hui, on va faire ce quartier qu'on n'a pas encore fait, ou qu'on a fait il y a un bon petit bout de temps. Et c'est parti, et puis c'est parti pour la balade, quoi, en fait. Ça, tu fais vraiment corps avec la ville, quoi, tu vois, comme tu écoutes tous les bruits, tu regardes partout, tu vois, t'es vraiment dedans, t'es fondu dedans, quoi, tu vois, tu ressens toutes les vibrations de n'importe quoi.
c'est notre ville, ça fait plaisir de mettre quelque chose de nous, mais on peut être fier de ça. Et, parce que tu peux naître et crever à Bruxelles sans que personne ait compris, alors que là, je sais pas, au moins t'as l'impression d'avoir laissé un peu ta trace là où t'as vécu, là où t'es né, là où tu vivras encore un bon bout de temps.